Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes achats du mois, on va dire de la moitié du mois, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus il y a 15 jours. Donc là, 15 jours se sont écoulés et je vais vous présenter ce que j'ai rentré. Il y a beaucoup de choses. Ça va prendre un petit moment, mais ça va être sympa. J'en profite pour continuer à vous dire de vous inscrire pour le concours des 5000 abonnés. Il s'arrête mercredi prochain et le résultat sera fait mercredi prochain. Donc il va s'arrêter, on va dire, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc continuez à partager, continuez à vous inscrire pour le concours, c'est super cool si vous voulez participer. Et puis que le meilleur gagne. Du coup, voilà, on va commencer donc la présentation de tout ce que j'ai pu acheter donc ou échanger, puisqu'il y a aussi de l'échange sur ces 15 derniers jours. On va commencer par une petite pop. Vous allez me dire, une pop, mais t'aimes pas ça, t'avais dit que c'était dégueulasse. Effectivement, c'est dégueulasse, mais pour celle-ci, je trouve que ça lui va super bien. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même forme que le personnage réaliste, on va dire. C'est donc un petit Monster Cookie, voilà, en pop édition, donc sans la boîte, hein, parce que moi je m'en fous des boîtes sur ce genre de truc. Voilà, donc c'est un petit Cookie Monster. J'ai trouvé ça super cool, j'ai trouvé ça sur Vinted pour 5€. Donc j'étais content de le rentrer, il ira donc avec les autres Cookie Monster qui sont là-bas. Une petite peluche de My Pet Monster, ce coup-là. Pareil, que j'ai trouvé pour la somme de 10 balles. Donc je suis assez content, voilà, elle est super propre. Qui va aller donc avec les autres petites peluches donc des années 80 là-bas, qui sont vraiment cool. Un petit jeu de Game Boy que j'ai reçu, un jeu d'un film que j'ai surkiffé. J'ai déjà pas mal d'objets de ce film, et là j'avais pas ce jeu. Bon, c'est un jeu que j'ai en loose, du coup, parce qu'en boîte c'est compliqué à trouver, ou alors ça a des prix exorbitants. Du coup, je me suis pris le Last Action Hero, donc en FH, sur Game Boy. Voilà, ça m'a coûté 8€ sur Vinted. Vous avez vu que j'ai rentré une Game Boy il n'y a pas si longtemps que ça d'un vide-grenier qui était dans une boîte Game Boy. Donc je me suis acheté un flacon de produits, parce qu'il y en a qui le fabriquent, il y en a qui l'achètent tout fait. Moi je l'ai acheté tout fait. Donc du Retro Bright, donc pour déjaunir donc la boîte de la console Game Boy. Et je vais aussi essayer, tenter, je vais le faire en vidéo, de déjaunir donc cette Game Boy qui maintenant est démontée, puisqu'elle est partie en réparation chez 2020, qui va me mettre un écran IPS dessus, qui va me refaire un petit peu la carte mère, parce qu'il y avait des petits soucis dessus a priori. Et donc je voulais la refaire en grise. Et puis je me suis dit, tiens, non, vu que tu vas la custom avec un écran IPS, ben on va essayer de faire quelque chose. Donc du coup, je me suis trouvé, voilà, une coque officielle, donc de Game Boy, mais en rouge, pas commune. Donc voilà, je me suis dit, on va la mettre comme ça, en écran IPS, avec la coque rouge, ça peut être sympa. Elle m'a coûté 20 balles la coque. Donc oui, c'est une petite somme, mais bon, en rouge, c'est pas très très commun. Ensuite, alors là, un truc de dingue, un matin, et d'ailleurs j'en ai parlé avec un pote à moi, en allant au boulot et puis en traversant, on va dire, la rue entre guillemets, à côté de mon taf, je tombe, il y avait des poubelles, faut le dire, et il y avait plein de cartons, il y avait des gens qui avaient mis plein de cartons, je pense que c'était suite à un déménagement. Et en passant comme ça, il y avait une boîte comme ça derrière, voilà cette boîte là, qui ressemble clairement à une boîte de DVD, et je vois sur le côté ce petit insigne. Je me dis, mais je connais ce truc là et tout, en passant comme ça, vraiment en marchant. Et puis je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'arrête, et là sur quoi je tombe? Sur ça. Alors, pour ceux qui ont connu, c'est un jeu sur lequel j'ai joué très longtemps, énormément, donc Dark Age of Camelot. Donc là c'est juste, c'est ni plus ni moins qu'un CD additionnel, hein. Voilà, comme ça, c'est un très 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 gros MMORPG et sur lequel j'ai vraiment 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 beaucoup joué, où s'affrontaient trois royaumes, Hibernia, Albion et Midgar. Voilà, donc j'étais trop content de tomber là-dessus. En plus il est vraiment propre, donc après ça c'est pas du tout, ça servait juste à l'installation, il y avait un code pour activer le jeu, mais c'est tout quoi. Mais bon, je suis content de le rentrer, du coup, comme j'avais moi mes anciens coffrets de Dark Age, ça ira très bien avec, parce que j'avais pas celui-là. Ensuite, on va partir sur un colis Vinted. Un colis Vinted, alors là, c'est vraiment le gros kiff du mois, entre guillemets. Parce que ça m'a coûté quand même, il m'a coûté quand même une soixantaine d'euros. C'est un des seuls que j'avais pas.
Et donc, du coup, je me le suis pris. Là, c'est chiant à trouver. Donc, celui-là, il m'a coûté 60 € plus les frais de port, on va dire 65. Et donc, c'est le Final Fantasy, le quatrième héros de la lumière. Donc, voilà. Il est en français. Ça, c'est vraiment cool. Ça a l'air vraiment sympathique. Je l'ai jamais joué encore. Je l'ai montré à Vinvin qu'il ne connaissait pas non plus. Pourtant, c'est un gros fan de Final Fantasy. Il est complet. La notice, le jeu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Et celui-là, il m'a coûté 60 € quand même. Donc, mais ouais, mais c'est un des seuls que j'avais pas. Donc, voilà, je suis content de rentrer ça. Quoi d'autre? Pareil, encore, on va continuer sur du Vinted. Allez, un petit truc Vinted. Impossible à trouver en français, parce que je suis même pas sûr qu'il soit sorti en français. Obligé de me le prendre en anglais. Je ne l'ai pas encore vu. Ça va arriver. Le film des Kratos, The Garbage Pail Kids, qui m'a coûté quand même 8 € pour un DVD. Donc, pas de notice, rien. C'est juste comme ça. Voilà. Ah, c'est spécial, hein. Je vous garantis que ça va être spécial. J'ai déjà vu un peu des extraits du film et tout, mais on verra bien ce que ça donne. Je voulais absolument le voir. Donc voilà, 8 € le DVD. Un achat chez Cash, un seul. Pour une fois, en 15 jours, c'était vraiment pas ouf. Ils ont rien rentré de dingue. Je suis rentré le petit Disgaea sur PS2 qui m'a coûté 12,90 €. Voilà. Il manque la notice. Elle arrive, je l'ai trouvée sur Vinted pour 3 €. Donc voilà, il manque la notice, mais bon, le CD, il est bien là. Donc quand même, 12 balles le petit Disgaea, bon, c'est pas trop cher. Avec la notice, ça fait du 15, avec les frais de port, ça fait du 17. C'est un jeu qui tape dans les 20 balles, bon voilà, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est cool quand même. Voilà, donc ça, c'est vraiment les achats internet. Non, on va continuer, allez, on continue sur le dernier Vinted. Alors là, c'est un colis, un gros colis. J'ai acheté, en fait, ça se passait pas comme ça à la base. Je suis tombé sur un, c'était au Portugal, un monsieur qui vendait un jeu, juste un jeu. Je suis tombé, je cherchais ce jeu depuis un petit moment, pas dans cette édition-là, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Donc je cherchais celui-ci, le Hog of War. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je cherchais depuis un petit moment. Donc hop, il est complet. Avec la notice, ça c'est vraiment cool. La notice, elle est là, voilà. Donc, j'étais parti pour acheter ce jeu. Faut savoir que le jeu, il était à 20 balles. Je me suis dit, vas-y, 20 balles, prends-le parce que c'est pas spécialement cher. Et puis, en fait, je contacte la personne, je lui demande si elle a d'autres choses. Et là, elle me dit, oui, j'ai encore d'autres jeux que je vais me séparer, et deux consoles, qui sont deux fois les mêmes, donc des PS1. Je vais me séparer de tout ça parce que ça me sert plus rien, et puis voilà. Donc du coup, je lui dis, bah écoutez, montrez-moi ce que vous avez. Donc là, il commence à me sortir. Je vais vous montrer tout ça en même temps, ça sera plus simple. Il m'a sorti donc la PlayStation 1 normale, voilà, toute simple, hein, classique, propre quand même, hein, pas dégueulasse. Celle-là qui est normale. Pourquoi je dis normale? Parce que vous allez voir que la deuxième, donc pareil, qui marche super bien, je les ai testées. La deuxième, je vais vous montrer pourquoi je dis que la première est propre, parce que la deuxième, elle est jaune. Elle est jaune parce qu'elle a passé son temps derrière une fenêtre, clairement. Et puis, peut-être que c'est pas du tout la même série. Du coup, 552, 500, et ça, c'est une. Ah là, on voit ça, 7502. Alors, pourquoi? Je sais pas, peut-être différence de fabrication de plastique ou quoi. Bah, bref, peu importe, celle-ci est puissée. Pourquoi elle est pucée? Parce que le monsieur, il avait énormément de jeux gravés. Donc voilà, une petite présentation rapide, hein, beaucoup beaucoup de jeux gravés. Voilà, il y en a un petit classeur comme ça. Il y a le deuxième qui est là, avec encore une fois beaucoup beaucoup de jeux gravés. Donc ça ne m'intéressait pas spécialement, mais bon, il m'a dit, les deux consoles, je les fais à 10 balles. Parce que il manquait les câbles. Ben, c'est pas grave, des câbles, j'en ai plein. Et puis je lui demande, donc du coup je lui dis, bah, vous m'avez dit que vous aviez d'autres jeux, donc présentez-les-moi et puis je verrai ce que je peux faire. Donc du coup, hop, je vous sors tout ça, parce qu'il n'y en a pas que un ou deux, il y en a un petit peu plus quand même. Hein. Alors avant, il faut savoir aussi qu'avec les consoles, il y avait quand même deux manettes. Bon, je vais pas vous le montrer toutes les deux, c'est les deux mêmes, je crois. Non, c'est pas les deux mêmes. Voilà, il y avait une Logitech bleue comme ça, donc rien d'officiel, et une, c'est quoi, Predator Trust, pareil, une bleue comme ça, rien d'officiel. Elle marche quand même, elle s'allume, elle vibre, ça c'est cool. Donc ça peut servir de manette de remplacement. Donc ça c'est sympa. Donc comme je dis, pas de câble d'alimentation, pas de câble vidéo avec les consoles. Et puis donc comme je vous ai dit, des jeux.
Du coup, voilà. Hop. On tombe sur un Colin McRae Rally. Complet. Boîte cassée, mais complet. Hop. Tac. Voilà. On va remettre ça dans le colis. Un G-Police que j'avais déjà. Mais bon. Complet. Les deux CD, la notice. Ça, c'est cool. Un Necronomicon que je connais pas du tout. Et celui-ci, en plus, il est en portugais. Il faut savoir que les deux autres, ils sont en français. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que le monsieur était bilingue ou quoi? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, ces deux-là étaient en français. Le Hog of War est en français. Celui-ci est en portugais. Il est portugais, ça me semble logique. Les deux CD, à mon avis, c'est pas la bonne boîte. Mais bon, j'ai pris quand même, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Hop. On a un jeu de PS2. On a le Castlevania sur PS2. Celui-ci, il est en anglais. Hop. Pas grave, ça va repartir de toute façon. Il est complet aussi. C'est quoi ça? On a un Metal Gear Solid. Alors lui, il a plus la boîte. Mais bon, c'est en français quand même. En français, en officiel quand même. On a un Rayman Revolution sur PS2. Qui lui, je crois, il manque la notice. Ah bah non. Non, celui-là, il n'y a même pas le CD. Bon, c'est pas grave, il était dedans. J'ai même pas vérifié ça. Il y a une petite démo là aussi dedans. Ok, pourquoi pas. Et puis un Bomberman Baseball qui lui est complet. Hop, enfin hardball, pardon, parce qu'on peut faire du golf, du tennis, du baseball, enfin un peu tout. Donc voilà, et puis surtout, donc à la base, l'achat donc du Hog of War. Il y a aussi encore un autre, enfin une petite pochette PlayStation officielle, comme ça, avec des jeux gravés, mais pas que. Il y a beaucoup de démos, il y a des jeux officiels, donc il y a un Siphon Fighters. On a quoi? On a un Disney Action Games, je connais pas du tout. On a un FIFA 2000. On a un Cool Border 2. On a un Street Skater. Et puis, je sais plus, je crois qu'il y en a encore des autres un peu là-bas, par là-bas, non? Non, c'est tout. Bon, il y avait quelques jeux en loose quand même. Et, voilà. Un petit Wario World, pardon. Alors, petite boîte classique quand même. C'est pas grave. Anglais, français. C'est cool. Pas de notice. Mais c'est pas grave. Le jeu est là quand même. Voilà. Du coup, je lui demande, je dis voilà, combien vous me faites tout ça? Machin. Il me dit, bah écoutez, les deux consoles, je vous les fais à 10 balles. Le lot de jeu, je vous le fais à 10 balles. Le Hog of War, donc à 20 balles comme prévu. Et puis voilà, c'est pas mal. Du coup, 40 euros. Voilà. 40 euros, les deux consoles. J'ai pas testé la pucée. Parce que de toute façon, je la testerai. Enfin, je sais même pas si je vais la tester, on verra. Parce que la coque, elle est à déjaunir, elle est dégueulasse. Les jeux gravés, ça m'intéresse pas. Donc, tous les jeux gravés, ils vont tous dégager. Je vais garder les pochettes parce que j'ai quelques jeux en loose quand même. Donc, les pochettes peuvent servir. La petite pochette PlayStation 1, elle est quand même super cool. Donc, ouais, les jeux, le jeu de GameCube, le Wario World, donc cool. J'ai demandé s'il avait plus les GameCube. Bien sûr que non, il l'avait plus. Il l'avait déjà revendu il y a longtemps, a priori. Et ce jeu-là faisait partie d'un carton qui lui restait, donc de ses fameuses consoles. Donc 40 balles, voilà. Ça, c'était la petite affaire de Vinted de ces 15 derniers jours. C'était assez sympa. Ensuite, on va essayer de se dépêcher parce que je le retourne un petit peu quand même. Lucas encore est intervenu. Il me dit, regarde, j'ai retrouvé des trucs chez moi. C'est trop cool. Je suis sûr que ça va te faire kiffer. Je lui dis, vas-y, montre. Alors, il m'a retrouvé. Bon, je vais vous le montrer comme ça rapidement. Un petit sachet de figurines des années 89, je crois. Si je ne me trompe pas. Toc, sur celui-là, c'est pas marqué. Enfin, bref, des toutes petites figurines de Mario comme ça. Ça c'est vraiment sympa. Hop, celle-là. Moi je vous les montre comme ça rapidement. Hein. Celle-ci. La petite avec l'espèce de frisbee là qui est assez cool. Voilà, puis il y en a d'autres. Hein. Il y a la petite Peach. Il y a un Bowser. Ouais, il y a le petit Bowser. Ah, le Bowser à l'époque il faisait délirer parce qu'il dessinait. Enfin, il faisait comme ça en figurine. C'est assez rigolo. Donc ça date des années 89. Donc voilà, ça. Plus. Là, surtout, c'est surtout ça qui m'a hypé à mort. Un lot de cartes, pour ceux qui connaissent, que j'ai mis dans un beau petit classeur. Un lot de cartes Sega Super Play. Voilà, ce sont ces cartes-là que vous pouviez retrouver. Ça date des années 90 ou 92, je crois. 91. Il y a du 91 et du 92, vous voyez un peu de tout. Voilà, donc des cartes Sega Super Play que j'ai commencé donc à recollectionner, que j'avais déjà à l'époque, mais bien sûr.
comme tout le monde, je m'en suis séparé, malheureusement. Et du coup, je suis en train de me refaire la collection. Donc, il en avait 90, il y avait beaucoup de doubles. Il faut savoir que la collection fait 120 cartes. 120 cartes. Il y avait beaucoup de doubles. En réalité, il y en avait 60 à peu près. Je me suis même retrouvé un petit lot sur Vinted. Donc là, on est parti sur de l'échange. Je lui ai échangé il voulait une Mega Drive, donc la Mega Drive que j'ai trouvée en vide-grenier avec les deux manettes. Non, ou une manette, je ne sais plus. Et puis, je sais plus. Enfin, on a procédé à un échange pour ça. Bref, donc ça, je suis super content. Merci Lucas encore une fois. Et puis là, c'est complètement différent. C'est un achat via un collègue d'un autre service de mon taf qui me dit comment j'ai retrouvé des consoles dans mon grenier. Il y a la brocante. J'ai fait une brocante chez moi le week-end dernier où je vendais donc mes doubles, mes jeux, des consoles. J'ai vendu une Game Boy Color, tout ça. Vous verrez que j'ai acheté des choses aussi sur la brocante. Donc ça, je ferai une petite vidéo la semaine prochaine. Alors j'ai pas filmé toutes ces petits achats. Y a rien de ouf, mais il y a des petits achats sympas quand même. Donc j'ai fait de cette brocante, et puis en allant voir mon collègue donc sur la brocante, je lui dis, bah voilà, il me dit, tiens, regarde ce que je t'avais parlé, j'ai retrouvé ça dans mon grenier. Comme à chaque fois, je pense que comme beaucoup, on vous dit, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et au final, il n'y a jamais rien qui sort. Bah là, pour une fois, mon collègue, il m'a fait plaisir, il m'a sorti ce qu'il avait de son grenier. Alors attention les yeux, parce que c'est sale, ça a pris la poussière, mais il y a moyen que ce soit sympathique. Alors, on va commencer par ça. Donc là, il y a tout un tas de câbles. Comme vous pouvez voir, il y a deux manettes de Super NES. J'ai rien nettoyé. Hein. C'est arrivé tel quel, c'est encore tel quel. Ça va être nettoyé, mais pas maintenant. J'ai pas le temps du tout en ce moment. Donc voilà, je vous présente ça comme ça. Alors c'est sale, hein, vraiment sale. Mais bon, deux manettes de SNES, comme vous pouvez voir là, avec la voilà, la Super Nintendo. Mon Dieu. La pauvre dans l'état où elle est. On va la nettoyer, on a du Retro-Brite, on va la déjaunir, on va essayer de le faire, on va le faire en vidéo. Je l'ai quand même branché, faut quand même reconnaître ça, je l'ai branché. Le petit bouton rouge il s'est allumé, je ne sais pas si elle marche, mais déjà le petit bouton rouge s'allume, donc c'est déjà un petit signe de vie de cette console. Donc ça c'est cool. Donc en plus vous avez vu, donc j'ai fait un petit short donc de cette réception, c'était dans une espèce de grosse bassine de linge. Et donc du coup là je vous présente tout ce qu'il y avait dedans. Dedans il y avait ça aussi, donc ça va retourner encore une fois chez 2020. Je suis désolé mon pote, mais je vais te filer du taf. Il y avait cette console là, comme vous pouvez voir, l'écran là, il est complètement mort. Enfin, le plastique est complètement mort. La coque elle est encore pas trop mal, franchement ça va, mais l'écran plastique il est complètement mort. Derrière il manque un cache-pile. Il n'y a même plus le petit sticker. Il y a un jeu, il a été peint au marqueur, je sais pas pourquoi. Et surtout, hop, donc c'est un Super Mario Land, si je me trompe pas. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2 celui-là. Bref, il est en français. Donc là, il manque le cache-pile. Par contre, la console s'allume. Elle marche. L'écran marche et tout, donc c'est cool. 2020, on va la faire passer en IPS aussi. Il va falloir en commander un deuxième. Pas tout de suite parce que les finances, ça pique quand même un peu. Mais on va la faire passer en IPS et je vais faire faire une coque custom pour celle-ci. Avec des dessins dessus. Voilà. Donc 2020. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait encore dans le lot. Dans le lot, il y avait aussi une petite PS2 avec donc deux cartes mémoire. Je sais même plus si c'est officiel, celle-là, si c'est officiel. Une 8 mégas, deux fois 8 mégas. Donc voilà, dans le lot, c'est sympa. Donc, on va virer tous les câbles. Alors, il y a une manette de PS2. Celle-ci, elle est propre, bizarrement. Elle devait être en dessous du bordel dans le grenier. Il y a le câble d'alim. Et là, on arrive sur la partie jeu vidéo. On était sur la PS2, on va rester sur la PS2. On a un Battlefield Modern Combat sur PS2. Hop, il est complet. Et là, sa notice. Alors ça, c'est cool parce que juste un peu de dépoussiérage à faire. Mais c'est sympa. On a un jeu de golf. Bon, bah ouais, après, faut kiffer. Hein, mais bon, c'était pas à moi, donc c'est pas moi qui ai acheté ça. Mais bon, j'ai tout repris. On a le Medal of Honor, les Faucons de Guerre sur PS2. Voilà, complet. On a le Sniper Elite. Je connais pas du tout. On verra bien. Je sais même pas s'il y a des jeux qui cotent ou pas. Je ne pense pas. On a un GTA San Andreas. Voilà, hop. On fait rapide. On a un Need for Speed Undercover. Celui-ci, il est plein ou pas? Ouais, ils sont complets. Ça, c'est que les jeux PS2. Ça doit être tout, je crois. Ou il y en a encore? Non, il y en a encore. Il y en a encore, il y en a encore. Ah, faut savoir que. Il m'a dit qu'il avait encore des choses dans ce grenier à retrouver. J'espère que
ça va, qui va me sortir ça assez rapidement. Ce serait sympa de vous présenter ça en vidéo. Donc ouais, pour finir les jeux de PS2, on a un Gran Turismo 4. Voilà, en platinium. On a un Sega Superstar, le Sonic Tennis, mais malheureusement, il n'y a pas le CD. Didier, je déteste, c'était le seul que je voulais dans le, enfin que je voulais garder dans le tas de jeux PS2. Malheureusement, c'est pas grave, on le trouvera. Et puis il y avait le jeu des Simpsons quand même. Voilà, qui est complet aussi. Donc ça c'est cool. Donc ça, voilà, la petite le petit jeu, comment, lot de jeux de PS2 qui était avec tout le tas de bordel qui est à côté de moi. Puisque vous allez voir qu'il y en a encore, je sais même pas où je vais mettre ça parce que j'ai plus de place. Après on part sur du jeu de Wii. Alors il avait plus la Wii. Mais il y avait quelques jeux de Wii qui traînaient. Bon, je ne vais pas tout vous ouvrir, mais je... Ouais, si, on va le faire vite fait. On a le MX versus ATV. Voilà. Tac, complet. Hop, allez, on fait vite. Ça, on s'en fout, c'est un Wii Play, ça ne sert à rien. Ça va dégager. On a un Mario Power Tennis. Voilà. Hop, complet. On a un Dragon Blade que je ne connaissais pas du tout sur Wii. À tester. Voilà, complet. Hop. Un FIFA 8. Je déteste les jeux de foot. Bref, on a 3, 4, 5 jeux de Nintendo DS. Je sais même pas s'ils sont pleins ou pas. On a le Rayman DS. Pas de notice. Je m'en fous. Ça va, ça s'en va de toute façon tout à l'heure. À mon cache. On a le monde de Nadia. Voilà, il y a juste le jeu. C'est pas grave, ça s'en va tout à l'heure aussi. On a un Cerebral Academy. Hop. Complet. Enfin, complet, non, sans la notice, pardon. Un Need for Speed Most Wanted. Sans la notice. Un bébé Academy, je ne connaissais pas, voilà, donc ça fait partie du lot toujours. Pourquoi au milieu de tout ça il y avait un jeu de Master System? Il devait y avoir une Master System à l'époque chez mon collègue. Faut savoir que ce collègue a 50, allez, comme ça je sais pas exactement, je lui donnerais ça entre 55 et 60. Voilà, à peu près. Je pense qu'il doit avoir entre 55 et 60 ans. Donc, il a dû avoir des consoles chez lui. Et puis, des restes. Donc, un Sonic sur le Master System sans notice. Voilà, sans notice. Mais bon, cool quand même. Ça faisait partie du lot. Et là, on arrive plus sur du plus ancien, ce coup-là. Donc, qui va avec la première console que je vous ai présentée. Enfin, on va dire presque tous. Celui-ci, il y a un jeu de Grand Prix donc sur 64 en loose. Et donc maintenant ce ne sont que des jeux de Super NES. On a un Nigel Mansell World Championship sur Super Nintendo en français. On a un Street Fighter 2, celui-ci c'est le normal, parce qu'il existe le Alpha et le Turbo. Voilà, là on va rentrer dans des jeux qui... Il y en a deux que je vais garder, les autres non, puisque je les ai déjà. On a The Magical Quest, donc le Mickey sur Super Nintendo. On a le Super Mario World de Yoshi Island, sale, mais on va le nettoyer et il va repartir, puisque les jeux de NES, les jeux de Super NES, de toute façon c'est incroyable, ça c'est vraiment cool. Donc ça voilà, dans le lot. Je suis en train de faire une pile d'enfer à côté. On a le, pour mon frangin qui cherche la console, donc qui est là maintenant, j'espère qu'elle marche entièrement, on essaiera, au pire j'en ai des autres, mais il cherchait le Super Mario All Star pour chez lui. Le voilà, le frangin, le All-Star est ici, il est arrivé à la maison, il sera pour toi dans pas longtemps. Et on a aussi le Super Mario World. Voilà. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, la Super Nintendo, la Game Boy Pocket, les 2, 4, 6, 8, 9 jeux de PS2, les 2, 4, 5 jeux de Wii, les 5 jeux de DS, le jeu de Master System, les 3, 6, 7... Dans les 6 jeux de Super NES et le jeu de Nintendo 64 plus la PlayStation 2 pour un montant de, on s'accroche, on s'assoit, allez, je vous laisse deviner, 30 balles. Merci Didier. Voilà, le copain Didier, cool, vraiment cool. C'est un collègue, on s'arrange, hein, on s'entraide, voilà, on se partage des choses, c'est assez cool. Bref, voilà. Les achats du mois, tout ce que je vais rentrer, tout ce que j'ai rentré ce mois-ci, tout ce qui va repartir, parce qu'il y a une énorme partie de tout ça qui va repartir. Il va falloir que je trie tout ça aussi. Mais bon, c'est assez cool. Voilà, voilà. Et ben, en attendant, j'espère que ces vidéos un peu longues, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'aller vite, vous aura plu. Continuez à vous abonner, liker, partager. On se retrouve mercredi pour la vidéo résultat du concours des 5000 abonnés. Je vous souhaite à tous encore bonne chance. Continuez à geeker,
amusez-vous et à mercredi. Allez, ciao tout le monde.